Bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Katia. Voilà, pour vous présenter une recette, ce gâteau à la vapeur. Gâteau à la vapeur, il y a gâteau à la vapeur blanc et gâteau à la vapeur au chocolat. Aujourd'hui, on fait d'abord le blanc, c'est plus simple. Le principe principalement, c'est pareil. C'est juste ajouter le chocolat dans le gâteau blanc. Ça devient gâteau au chocolat. On va mettre un peu. Regardez, il faut bien mettre dans le centre comme ça. Ça va, la vapeur ne sort pas ailleurs. Hein? Voilà. Voilà, pour un gâteau à la vapeur, on prend 5 œufs. Voilà, on a cassé dedans. Commencer émulsion nez. Aujourd'hui, on met moitié de farine de gâteau et moitié de farine normale. Comme ça, ça lève très bien. Ensemble, comptez, c'est 175 grammes. Moitié, ça fait 80-90 grammes. Après, le reste, on va mettre farine normale. Voilà. On doit préparer le récipient, mettre le beurre dessus. Un peu de beurre dessus. Quand émulsionner ça à peu près 2 minutes, hein, on a regardé ce tout blanc, volume a augmenté déjà 2 fois plus, ça veut dire c'est bien. On doit ajouter la farine. Pour ajouter la farine, il faut plus vite possible. Il faut rapidement terminer, après tout de suite arrêter la machine, sinon le gâteau va lever pas bien. Verser dedans, nettoyer parfum. Avec ça. Ouais. Mettre au milieu. Fermer. Entre 20 et 25 minutes quand vous voyez la vapeur. Quand la vapeur est sortie, voilà, on compte 20 minutes, c'est bon. Regardez. C'est très. C'est magnifique. Ça ne se voit pas de vapeur, mais ça a levé. Hein. On met ça dedans.
avec ça, séparer. Séparer de côté. Est-ce que séparer de côté? Après, on met sur le poule. Attention, pour couper ça, il ne faut pas appuyer, couper. Il faut scier. Scier pour couper. Hein? Il ne faut pas juste appuyer. Scier. Scier. Excellent. Voilà. Pour un anniversaire, vous pouvez mettre de petits fruits. Voilà, faire de fleurs, faire de écriture. Bon appétit.